Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule, la 10e, sur la méditation. Mon nom est Nathalie Cuvillier, professeure de Hatha Yoga pour vous accompagner. Je vous propose dans cette dernière capsule d'aborder la méditation. Souvent, c'est pas facile en tant que débutant de dire « Oh, je vais m'asseoir, je vais prendre le temps de méditer ». Ça prend pas beaucoup d'outils, ça prend juste du temps. Donc, je vous invite à prendre un tapis, une chaise ou de vous installer confortablement sur un coussin. Il existe aussi des bancs de méditation sur lesquels vous pouvez vous installer. C'est vraiment libre de votre choix. L'important, c'est que le corps soit confortable, que vous soyez confortable dans vos articulations ou vos muscles. Fait que choisissez-vous quelque chose, un outil qui est adapté pour votre position. Pour ma part, je prends cette position assise sur mon coussin, deux ischions bien au sol. J'aime pour la méditation, de me mettre un châle, mais ça encore, c'est libre à vous. Vous pouvez allumer une petite bougie, mettre une ambiance musicale, vous consacrer un lieu dans la maison où vous vous sentez bien et que vous sentez que cet endroit vous appelle pour méditer. Donc, rien de bien compliqué aujourd'hui. D'abord, prendre position. Donc, choisissez celle qui vous convient le mieux. Ensuite de ça, le dos bien droit, les épaules relâchées. Je vous invite à ouvrir les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez adopter un mudra aussi. Le plus souvent, en méditation, on va prendre ce qu'on appelle le Chin Mudra. Donc, c'est pouce et index joints ensemble. Les autres doigts sont déposés sur la cuisse ou le genou. Donc, mudra. Ensuite, je vous invite à inspirer profondément. À expirer, à fermer les yeux. Et voyez, sentez si votre posture est confortable. Si elle ne l'est pas, réajustez-vous. C'est toujours le temps de vous réajuster en méditation. Si vous sentez que la jambe s'engourdit, allongez la jambe, reprenez une position agréable. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. De faire trois respirations dans la conscience. Dans la conscience que vous êtes en vie. Dans la conscience que la respiration se fait de façon automatique, mais que vous pouvez quand même prendre le contrôle de cette respiration. Pour le moment, laissez-la aller. Inspirez, expirez de façon naturelle. Et là, j'entends votre mental qui veut se carapater partout, qui veut partir et faire comme le petit hamster tourner dans sa roue. Invitez votre mental pour cette période de méditation à relaxer. S'il vous emmène au loin, ramenez-vous avec la respiration. Premièrement, prenez conscience de votre corps, de la position de votre corps. Vous sentez les pieds sur le tapis, vos chevilles, les tibias, les genoux, les hanches et les cuisses en ouverture, puis vos ischions. Vos fesses sur le sol ou sur le tapis ou encore sur la chaise. Et vous allez sentir cette base très solide, cette base s'enraciner dans le lieu que vous avez choisi. Vous imaginez que cette base est un roc bien ancré dans la terre. Et vous continuez à respirer. Vous amenez la conscience de la respiration dans le ventre, respiration abdominale. Et vous respirez dans le ventre pour trois respirations.
le mental veut vous emmener ailleurs, ramenez-vous vers cette respiration abdominale. Puis sentez que de votre base bien s'enracinée, votre colonne vertébrale s'érige vertèbre par vertèbre, bien droite, solide. Prenez maintenant conscience de votre respiration au niveau du thorax. Vous respirez à plein poumon. Vous sentez les alvéoles s'ouvrir, s'oxygéner. Votre poitrine s'ouvre également. Vous respirez dans le thorax. Puis vous sentez vos épaules relâchées, les bras, les avant-bras, vos mains en Chin Mudra. Votre tête érigée bien droite, relâchez la mâchoire. Amenez le bout de la langue au niveau du palais en arrière des dents. Relâchez chaque muscle du visage, les joues, les tempes, les sourcils, le front. Laissez s'envoler tous les soucis de la journée. Et respirez maintenant dans la conscience de la respiration au niveau du nez. Vous inspirez, l'air frais s'engouffre par les narines. Vous expirez, l'air chaud s'en expulse. Inspirez, l'air frais rentre par les narines. Expire, l'air chaud s'en dégage. Et vous amenez cet inspire au niveau du front, au niveau du mental. Vous balayez de cet inspire et de cet expire tous les nuages de votre mental. Vous soufflez intérieurement sur ces nuages pour éclaircir le ciel de vos pensées. Allez-y encore pour deux respirations. Du ciel de vos pensées, imaginez qu'il y a un ascenseur et cet ascenseur descend directement vers votre cœur. Ressentez cet ascenseur au niveau du ciel de vos pensées et doucement faites-le descendre à votre rythme vers votre cœur. Inspirez, expirez. Faisant descendre cet ascenseur vers le cœur. Continuez, inspirez, expirez. Soyez tolérante avec vous-même. Et une fois que cet ascenseur est bien installé dans le cœur, respirez dans votre cœur. Accueillez ce qui est présent à votre cœur. Soyez dans l'amour pour vous-même. Dans l'acceptation de ce qui est.
Si les pensées persistent, redescendez doucement vers le cœur. Et restez là un moment, juste à inspirer et expirer ce qui est présent dans votre cœur. Si des émotions apparaissent, laissez-les aller. Ne vous identifiez pas à elles. Permettez-vous de dire et d'accepter « Je suis triste, je suis joyeuse. » Et restez là. Et doucement, reprenez contact avec la respiration, avec votre corps. Imaginez la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez venir à vous les bruits extérieurs. Inspirez profondément. Et sur l'expire, remettez en mouvement les doigts des mains. Inspirez profondément. Et sur l'expire, ouvrez les yeux doucement. Inspirez profondément. Venez déposer les fessiers au sol. Prenez le temps de vous étirer. Relâchez le corps. Alors voici une première expérience en méditation. Je vous la souhaite joyeuse et au plaisir de se retrouver dans les prochaines capsules. Merci beaucoup.